Bonjour, bonsoir à toutes fanatiques Cordon Info 7. C'est un plaisir pour ensemble avec nous aujourd'hui. Côté que nous allons montrer directement meilleur lien côté que nous sommes capables de faire une demande de visa pour Chili. Non, lien ça, gens que moi-même nous allons essayer de faire une ensemble avec nous. Et bien, regardez la vidéo jusqu'à la fin, une façon pour capable comprendre mais qui gens ou même capable faire jusqu'à ce que pour arriver joindre visa Chili par là ou bien ça arrive que yo pas baoul tout. Ça va dépendre du type de visa que vous allez faire demande là et ça va dépendre ou même document que vous allez présenter ou qui capable prouver oui vraiment ou qualifié pour joindre visa par là. Et bien on suit avec moi dans vidéo aujourd'hui en côté que moi même moi vais faire une demande visa pour Chili en ligne. Pas oublier sur votre abonner ensemble avec chaîne Cordon Info 7 là marquant pour faire ça et partager vidéo ça en façon pour capable arriver sur un autre monde. Et bien on suit ensemble avec moi comment nous allons commencer faire ça. Kounya là nous arriver directement dans lien, c'est ça que fait nous peser sur lien en façon pour nous capable aider avec tramiter Paula ou même qui vient pour faire là. Nous fin peser dans lien Kounya, là nous fin peser nous allons joindre directement toute information que yo bail yo côté que yo dit non tramiter online par la Chireno au étranger. Ça veut dire que lien ça il pas seulement là pour immigrants mais il là pour chiliens autour avec ou même qui gagne un petit chilien. Lié ça la utile en pile quel que soit tramité ou ta mais fait pour ti mon nom depuis qu'il y a possibilité ou capable faire pour lui en ligne ou pas besoin faire déplacement yon façon pour aller dans aucun bureau exactement on fin peser sur lien qu'on y a nous aller là dans sac Ciudadanos y a dit ou tramité consulares online ou à peser sur visa étant donné que ces visa nous gain besoin ou à peser sur visa mais si vous commencez faire processus là ou arrivez en côté ou ta remet connaît dans qui état sollicite loyer dans qui degré que vous y avec processus là ou capable prendre vers estado sollicite ou bien après au fin fait tout processus pour visa il y a un code que vous allez voir sur compte Gmail là au fin voyez code ça barre sur compte Gmail qu'on a pour avancer puis devant ou venir directement dans requisitos visa étant donné que moi même moi fait commencer ensemble avec nous moi prêt à remplir forme pour nous n'a prend directement visa qu'on a peser sur visa exactement il y a une sorte de formulaire là on va au formulaire ça qu'on a on prend besoin remplir formulaire ça net une façon pour capable joindre tout résultat. D'abord, on va commencer à remplir le formulaire. Alors, moi, je ne vais pas remplir le formulaire parce que moi, je vais remplir déjà. Et moi, je vais joindre le code que vous voyez pour continuer avec l'étape pour me faire demande visa. Alors, je vais expliquer non seulement, mais qui gens pour nous remplir le formulaire. Pour nous remplir le formulaire, la première question que nous avons, pays au lugar en el que está réalisando la sollicitude. Yo di nan ki pays que ou même ou a fait demande là. Ou a dit ou Haïti, ça c'est clair. Ou bien dans quelque soit côté parce que ça li pas là seulement pour yon monde qui Haïti mais li là pour yon monde qui partout qui t'a jamais fait une demande visa soit pour aller visiter Chili ou bien pour quelque soit et type de demande visa que ou besoin faire. Et puis là yo dit et consulado de Chile donde presentar tout sollicitude et yo dou ki ba consul la ye côté que a présenté sollicitude ou quand on a présenté demande ou alors le plus important pour un monde qui Haïti t'a pas écrit là leur peser sous petit point là sous côté là là yo pas ba rien dans deuxième question c'est ça que fait me dire deuxième question li pas trop important alors on remplit première question pour nous une façon pour nous capable là leur fin peser ça et puis y a dit au pays ou a chercher dans toute liste pays une façon pour capable joindre pays Paola qui c'est Haïti. Alors nous va chercher Haïti parce que nous connaissons surtout pour mon Haïti yo plus en nécessité pour yo faire une demande de visa pour Chili parce que OK nous joindre Haïti kounya nous sélectionner Haïti. Là, nous finissons de sélectionner Haïti. Ok, nous prenons la deuxième question. Sélectionner consulat. Ok, Port-au-Prince. On va prendre Port-au-Prince. Qui signifie Port-au-Prince. Déjà, nous finissons de prendre. Et puis, nous faisons effectuer. Et puis, après ça, là, on va demander au fait chadena cimiento capable de mettre date de naissance là. mais ni tout ba ou là une façon pour mettre date de naissance. Lorsqu'il mettait date de naissance là konya, après ça yo gagne yo pral mandé ou type de passeport. Le mode type de passeport mes amis, c'est passeport ordinaire pour nous prendre. Ordinario. Ordinario, ça veut dire que c'est ça pour prendre. Ordinario. C'est lui-même pour choisir. Ça qui vient en deuxième position. Là. Et puis, il y a là encore nationalité qui indique sous passeport. Qui nationalité qui écrit dans le passeport là. Haïtien, parce que c'est haïtien ou rien. Ok. Il demande un fecha de 26 000 passeport. Il dit qui date passeport là, lui-même la peut expirer. Vous mettez dans passeport, vous allez dans passeport là directement, vous regardez pour qui date passeport peut expirer. Il y a une façon ou même pour capable faire ça sans problème. Et puis il dit là type de visa. Qui visa que ou même que vous avez besoin. Ça c'est un peu important. Il dit type de visa qui gagne. Ça là, ça c'est qu'on est obligé garder pour il y a parce que moi même mes parents pays ça yo c'est raison ça qui permet que yo pas ban moins et processus pour me passer même pral montrer dans une photo là konya comment que moi même me fait processus pam là et qui type de visa que moi même me choisi to là on fin choisi type de visa ou bien pour avancer pour plus devant yo demande combien jours que tu as remis à faire Chili ou bien on mettait quantité jours que même ouais cap bon pour OK. Qui date ou comptez rentrer Chili? La deuxième question, ça là, il dit qui date ou comptez rentrer Chili? Et puis après ça là, il dit motive sollicitude. Pour qui ça on fait demande ça? Et puis il demande un email, coléo électronique, qui c'est un email. Et puis après ça, il dit pour confirmer coléo électronique. Et puis qui est quoi? Yeah. Exactement, qu'on y a un fin rentrer code PAM, non? Et puis qu'on y a dire comme ça, ça c'est numéro passeport, il m'a donné la deuxième étape là. Qu'on y a mettre numéro passeport PAM, non? Alors faut que ce numéro passeport PAM pour mettre. Même numéro passeport qui ont été fait demande là, c'est même les mêmes pour mettre. Yeah, et puis là, je vais mettre numéro passeport dans la condia. Je dis que moi pas un robot. Et puis après ça, je fais continuer. Je avance pour plus devant. Condia, je arrive dans étape côté que je prends demander pour moi mettre Condia, je arrive dans une étape côté que je prends demander moi. Pour moi, voyez document aller. C'est là qui est un peu compliqué pour moi parce que moi pas qu'on document mon nom. Pensez mon n'était des documents alors il pas qu'on document yo. Ça veut dire que ma faute qui un peu ce processus moi là moi-même parce que moi pas capable avancer pour plus devant parce que document ça yo mandé là yo, moi pas gagné yo. Du tout pour me tabaille, c'est raison ça qui permet que moi font camper ce processus pam non. Il y a une façon pour me tendre mon là gagner document yo. Code moyen toujours là parce que les sous email moi il pas perdu et puis moi même moi pral capable refaire processus là même j'en été commencé là la deuxième étape là il y a une façon pour moi capable joindre visa par mon nom ou bien pour pas ban moyen tout parce que très souvent bagaille c'est comme ça mais qui t'aime surtout étant que m'a fait ça pour moi même visa que me te prend pour mon pam non c'est une sorte de visa côté que moi gagne un monde qui a ban un contrat de travail Chili et puis il y a une façon pour moi-même pour me capable mais qui t'aime dire moi-même la forme que moi t'ai fait demande pour visa PAM non c'est une sorte de visa de travail que lié pour mon arriver Chili pour tout à travail mais c'est pourquoi visa qui a bail pour mon capable aller travail Chili parce que semaine passée on te dit on gagne 110 000 visas qui a bail pour immigrants capable rentrer travail mais visa ça il pas disponible ni sous site là ni ambassade immédiatement que est disponible et puis nous même capable faire connait mais si on gagne un document qui légal vous voulez faire un visa on demande visa pour touriste ou bien on gagne un monde Chili qui a un contrat cap baou pour rentrer Chili pour le travail ou capable rentrer en contact ensemble avec nous direct. Si toutefois tu as un petit problème, nous mêmes sommes capables d'aider dans le processus pour là en ligne. Et si toutefois tu as un monde qui est casier judiciairement, mais au moment, comme première étape processus ça qui fait ensemble avec nous là, il seulement demander qui bon ou pour aller pour le travail là, qui travaille à bon contrat. Mais dans liste document qui est demandé là yo, il pas demandé pour moun nan pour gagner contrat travail là dans mail. Pour voyer contrat travail là, c'est ça qui est un peu important parce que si on demande pour voyer contrat travail là, c'était capable plus compliqué. Mais lorsque on pas demandé pour voyer contrat travail là, si on gagne un casier judiciaire prêt et puis là j'ai une photo sous forme PDF, alors m'a voyer forme nan pour lui pour voir tout document qu'il a besoin yo. Et puis lui même s'il a bien tout document yo, m'a capable commencer aider dans processus pas là parce que yo pas demandé contrat travail. Alors si mon n'a gagné, mais si mon n'a pas gagné, c'est fait que le bras le faire. Mais vous que nous toutes nous prend patience que me fait graine ça m'a fait parce que mon nan lui commencer chercher papier que qui nécessaire pour faire demande visa pour me finaliser processus nan pour l'IA. Mais faut que nous tonnent et c'est monde qui prêt que me dit qui pour écrire si mon n'a pas prêt s'il vous plaît pas écrire depuis vous connaît que ou pas prêt et surtout pour casier judiciaire. Alors pas oublier sur votre abonner ensemble avec chaîne Cordon Info 7 là. Maintenant pour faire ça kounya et puis partager vidéo ça une façon pour capable arriver sur l'autre monde et puis comme ça tout le monde va informer de toute petite information que moi t'ai ban nous dans vidéo aujourd'hui. Ciao, à la prochaine pour une autre vidéo.